Bien salut tout le monde, c'est KingSmiles3, on se retrouve aujourd'hui pour Voyage à la Dimension et pas Conquérant des îles, hein. Je m'excuse pour la faute la dernière fois. C'était l'habitude. Alors je me suis refait un stuff pour vous expliquer, c'est en fait... le petit problème c'est que, étant donné que je vous avais dit dans l'épisode précédent, oui, vous allez avoir fait, vous pouvez trouver d'autres boss, je sais plus comment les invoquer, etc. En fait, où les trouver. En fait, faut pas les trouver, faut les invoquer. Je me suis renseigné, il faut les invoquer. Mais alors j'ai vu par exemple, parce que c'était Dante que je voulais affronter à la base, j'ai appris qu'après il y avait Nyx aussi. Et alors Nyx, Ebay et Dante, ils sont un peu trop puissants déjà, donc il nous fallait un stuff un peu puissant, mais ça n'a rien à voir. Mais de plus est, il nous fallait de la lave pour Dante. Pourquoi de la lave? Parce qu'il nous faut deux blocs d'obsidien pour pouvoir l'invoquer. Évidemment, je suis en feu. Fallait s'y attendre, hein, sinon c'est pas marrant, voilà. Alors, petit problème, c'est que je n'ai pas de pastèque. Parce que j'aurais bien voulu me faire des potions. J'ai juste su trouver, en allant chercher ma lave, deux magma cream. C'est pas grand-chose, on a une pomme en or ici à la limite. On a des œufs qu'on peut aller claquer là-bas après, on a un peu de bouffe. On va essayer de se faire dunter, mais avant ça, on va essayer de faire un stuff un peu plus puissant. J'ai terminé un peu de quartz aussi, ça se voit dans les coffres ici. Là, j'ai terminé du quartz pour faire un peu de level, pardon. Parce que on est un petit peu en rate de bouffe, de level, etc. On galère un petit peu, hein. Alors, je me fais un petit parterre un peu spécial. Un bloc demande les blocs de la laser, d'autres non. Et alors, on va essayer... Voilà. On n'a pas beaucoup de vaches, donc on va éviter de les claquer. Alors, il faudrait deux... Voilà, justement deux carottes. Bonjour les cochons, voilà. Reproduction les cochons. Alors j'ai perdu mon stuff précédemment parce que j'étais tombé dans la lave en fait. Dans le nether. Au tout début je faisais pas attention parce que j'avais entendu un mob. Je voulais aller le buter, c'était un gaz justement parce que je voulais des potions de régène. Et je n'ai pas réussi à déjà qu'il loot une potion. Et deuxièmement, je suis tombé dans la lave, de potion de larmes. Et deuxièmement, je suis tombé dans la lave, donc j'ai essayé de récupérer un peu de stuff, mais bon, j'ai rien trouvé. Donc, je me le suis refait. Écoutez, on peut se faire quand même deux potions, enfin 6 potions de résistance au feu. Et c'est pas trop mal parce que, autant Atlas, je pense qu'il avait remarqué, aimait bien le feu, autant Dante, c'est encore plus. Alors je me dis qu'avec des potions de feu et des potions de force, il me semble qu'il me reste des blaze rods quelque part. Ouais, il me reste 2-3 blaze rods. Je me dis qu'avec des potions de force 2 et des potions de résistance au feu, il y a moyen quand même de se faire déjà un bon stuff. Enfin, d'avoir déjà un petit peu plus d'avantages. Donc on va tester. Mais pour ça, il me faut des bouteilles. Donc on va attendre un petit peu, on va essayer ça. Alors peut-être le temps que ça chauffe, on va se prendre le troisième saut qui est... Oh, génial. Écoutez, on va poser ça là, pour éviter de les perdre. Et alors, Ice Stone, on va avoir besoin de l'Ice Stone. Mais de une. Alors, et à côté de ça, il me faut ça, voilà, le get. Allez, je me mute 2 minutes. Bien, me voilà. Alors, on va juste remplir les petites potions. Et alors, on va prendre tout ça tant qu'on y est. Voilà. Il y a beaucoup de mobs dans les environs, c'est un peu énervant à la fin. Et alors oui, en fin de compte, je l'ai pas fait. Il nous faut 2 blocs d'obsidienne. Voilà. On va prendre ça tout de suite.
Allez. Voilà. Parce que Dante, en fait, c'est le même craft que le... Enfin, la même invocation que pour les golems de fer et les bonhommes de neige. Sauf que c'est pas deux blocs de neige ou deux blocs de fer, mais deux blocs... soit de... Pour... mes mots. Pour... on avait des nésormes, tout simplement. Voilà, je suis complètement bleu. J'avais des verriers du nether. Là. Pour Dante, c'est deux blocs d'obsidien l'un sur l'autre et un bloc d'ice stone au-dessus. Donc c'est la stone du nether, de laser. Et pour Nyx, eh ben, c'est un petit peu l'inverse. Oui. Je me trompe. Je me perds dans mes pensées. Nyx, c'est pas deux blocs d'obsidien, mais deux blocs de luminite, enfin de glowstone. D'où l'utilité de l'obsidien que je viens de prendre maintenant, parce que j'ai envie de commencer par Dante. Il me faut deux blocs pour boucher mon trou, et alors j'ai que deux soul sand. Ah, oh, flûte. Et on va rajouter ça à notre champ, on fera un champ souterrain plus tard, on va juste dormir avant. Sleep, pardon, at night. Ok, si tu veux, hop. Donne-moi ça, voilà. Hey, il fait nuit. Hey oh. Et sous de moi là. Voilà, merci. Donc c'est un petit peu la période de préparation, mais en fait le problème c'est que Dante fait vachement, mais vachement mal. On va aller rajouter ça à notre champ. Je ferai peut-être un champ souterrain pour la prochaine fois. Un peu plus optimisé peut-être. Voilà. Non, c'est pas ça. Ça, il faut pour Dante. Voilà. Et on place ceci. Ok, voilà. Alors, on va vite terminer nos potions. Commencer nos petites épées et tout ça. Fire résistance. On va mettre une redstone, voilà. Et alors, on va pouvoir déjà ranger nos affaires un petit peu. Hop. Pas besoin de prendre une flèche pour Dante. Il s'envole pas, si je me souviens bien. Les potions, on va en avoir besoin plus tard. Ça, c'est pour l'invocation. Ça, c'est pour les potions. Ça, c'est mon inventaire. Ça, on peut ranger. Potions. Voilà. Ça, on peut laisser ça là. Sous deux, ça peut toujours être intéressant. Ça, on peut mettre à cuir. Ça, on peut reprendre. Je ferai peut-être un escalier ici, vous savez, hop. Une petite échelle, on arrive dans la cave et... vraiment un grand champ souterrain. Pourquoi pas. Ça peut être stylé. Alors... les potions ici sont finies, on va pouvoir mettre les autres. Évidemment, j'ai rangé mes verrues. Voilà. Hop. Et là, on va pouvoir se commencer nos petits enchanteurs ici avec Projective Protection 4. J'ai Projective Protection 3. Bof, Protection 1, c'est déjà un peu mieux. Hop. Non. Voilà. Protection 1. Ça c'est quoi? Blast protection. Là j'ai quoi? Protection 3. On va garder protection 3 turns 1. Mais alors, où est-ce rangé mon ruby? Voilà, il est là. On va se refaire un petit pantalon. Allez, un petit protection 1, s'il vous plaît. Protection 3, c'est magnifique. Turns 1. Voilà. Respiration 3, au niveau enchant de merde, on peut pas faire mieux. Voilà. Hop. Non. 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 Voilà. Blast protection. Alors ça, par contre, c'est déjà un peu plus intéressant. Parce que les boss utilisent beaucoup les boules de ghast, là, les obus de ghast, je sais plus comment ça s'appelle. Feather Feeling 3, ça c'est déjà pas mal. Déjà ça on peut ranger. Ça nous fera du stuff au cas où qu'on meurt. Mais... ah mince. J'ai perdu le bâton de fly. Oh flûte. J'ai plus de topaz. Bah non, faudrait que j'aille en chercher, ok. On va se refaire des bottes. Parce que j'ai envie d'un protection. On a quoi? Break 2, Feather Feeling 3, ouais ok mais... Ça m'aide pas quoi. Hop. Fire Protection 3.
Baf, à la limite, allez. Ah ouais, 32 niveaux. Ah ouais. On va garder les Feather Feeling, parce que j'ai envie de me faire une épée. Oh. Non, elle est Fire Protection. Les Feather Feeling, on va les garder. Parce que j'ai quand même envie de me faire une épée ou deux. Enfin, me faire une épée un peu plus puissante que ça. Si j'ai du bois. Il me semblait que j'avais des sticks quand même. Des petits sticks. Non. Si, voilà là. Hop. Je me suis fait exprès une petite réserve à bois à côté en plus. Voilà. Alors, on n'est jamais trop à court de sticks. Et là, on va se faire 3 petites épées. Et ça peut toujours être utile. En espérant tomber sur des bons enchantes. Sharpness 2, c'est parfait. Sharpness 2, ça me fait même Sharpness 3. Knockback, parfait. Alors, hop. Ainsi et ainsi. Sharpness 3. Knockback 1. 19 niveaux et ainsi. 24 niveaux, ok. Alors là, c'est du troll. Donc, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire une petite ellipse. J'ai envie, vraiment envie de stepper. Parce que je peux déjà fusionner les deux. Ouais. Donc, il faut combien de niveaux ici? 28 ou 25. Ok, écoutez. Je vais aller miner du quartz et je vous retrouve tout de suite après. A tout de suite. Bien, voilà, donc j'ai miné un peu de quartz. Mais c'est vraiment galère, hein. Et normalement, ça devrait passer juste... J'aime bien ouvrir ça. No effect. Ouais, effectivement. Hop, voilà. On va faire ça. Et alors maintenant, normalement, on devrait avoir assez pour fusionner. Parfait. Japnes 3, Unbreak 2, Knockback 2. J'aurais bien voulu un Fire Aspect, mais bon, c'est pas trop grave à la limite. Y a pas des trucs qui sont cuits, voilà, parfait. Parfait. Et là encore parfait. Là, il y a du vert, voilà. Alors, techniquement, ça devrait passer déjà un peu mieux. On va ranger ça, ça on peut ranger, ça on peut ranger. Ah non, ça j'en ai encore besoin. Hop. On va peut-être pas prendre les 3 potions de fire résistance. C'est combien? 8 minutes? Non, on va pas tout prendre. On va en mettre une dans le coffre d'hiver, on ne sait jamais. Voilà. Au niveau nourriture, on n'est pas trop mal avec ça. On va laisser un peu de nourriture pour faire dans le coffre. À la limite, on peut prendre encore les 3 patates. Potatoes. Ça j'ai besoin, ça j'ai besoin. J'ai pas réparé le trou dans le jardin, voilà. Bon, c'est un petit jardin, mais bon. Alors, si je me souviens bien, j'avais ramené, il me semble, ouais, voilà, une pousse d'un biome qui était pas trop loin du spawn, que j'avais montré dans l'épisode 1, il me semble. Ah non, mais l'épisode n'était pas sorti en fin de compte. Il y a une sorte de biome désert comme ça, enfin, qui ressemble un peu à un désert avec plein d'arbres suspendus dans le vide. J'ai réussi à avoir une pousse, mais j'ai pas pensé à filmer. Alors on a un niveau, est-ce qu'on se tente? Non, on a une pioche effect 2, c'est bon. Strange, hop, voilà. S'il vous plaît, c'est là. Break 3, torrents 1, protection 3, blast protection, protection 3, torrents 1. Ça nous fait un torrents 2 au total, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal, on devrait lui faire assez mal. Par contre, on n'a pas de régène. Et j'ai pas pensé à chercher ça avec les ghasts. On va en laisser une aussi. Voilà, écoutez. Hop. Et alors écoutez, c'est parti. On est parti pour ça. Avec un peu de chance, quand on reviendra, on aura l'arbre de la victoire là. C'est un joli petit arbre que j'aime assez bien. Allez, on y va. Ça génère. Ok, mais j'ai oublié un petit détail, c'est qu'on n'a pas de topaze, donc on va pas pouvoir voler. Et comme on vole pas, eh ben, on va devoir se battre ici, ce qui est un peu justement dangereux. Ils aiment pas cette scène. Justement, tout le monde amené dans le vide. Là, il y a du saphir. Il n'y a pas l'air d'avoir le topaz. Le topaz, c'est l'équivalent du fer dans les heures. Là, c'est du rubis. Il fallait du rubis, mais je sais plus pourquoi.
Ah, tu peux les faire finir. De pas, ça finir. Pourquoi il me fait les faire? Voilà, Ruby Or. Voilà, je vais mettre là 2 minutes. Utilité. Ah, voilà. Le stuff en Ruby, mais alors l'épée qui fait 9 de dégâts. Voilà, le Staff of Fire, il me semble. Ouais. Staff of Fire, qui est pas trop mal. On va continuer à enlever de vie. De là-haut, au pire j'ai mon hop, mon petit saut d'eau, voilà. Bonne chose. C'est pas vraiment l'endroit idéal en fait ici, quand même. Non, c'est pas l'endroit idéal, j'aimerais bien un endroit un peu plus plat, un peu plus grand. L'idéal c'est d'avoir le flying staff, mais je l'ai pas. Il y a un truc sur là, je me demande c'est quoi. Ça c'est quoi? High stone, donc c'est la stone, ouais. Au revoir la vache. J'ai dit au revoir. Il n'y a plus de topaz, donc on va devoir faire des ponts et tout ça, ça va être un peu chiant. J'ai pas pensé à garder mon staff. Je suis parti dans le nether. Et donc il a cramé dans la lave. Ah yeah, voilà. On a de la chance. Par contre, je sais plus combien il m'en fallait. C'est pas le vide là, ça va. Voilà. Il m'en faut combien? Me dis pas qu'il m'en faut 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous savez qu'il va en manquer un? Oh non, sérieux, c'est du troll. D'avoir le topaz dans la région. C'est pas sérieux tout ça. Le jeu a décidé de me troll. Ah, donc Back 2 elle fait vachement mal quand même. Bonjour. Vous n'avez pas le topaz, cachez dans la zone. Problème. Allez.
Et toi? J'ai pas envie de me lever non plus. J'ai un bateau quand on est bloqué. C'est la mort. Avant de faire un demi-dalle, les mobs spawnent dessus et comme c'est les creepers angéliques, ils vous expulsent. À la base, c'est le biome dont je vous parlais. C'est un arc comme ça qu'on aura. Moi, écoutez, je me le kiffe devant vous. Ça n'a rien de plus. Vous voyez, entre parenthèses, c'est le petit game mode ici, parce que je me suis mis en game mode. Des ellipses, tout ça. Ici, ça m'a déjà un peu plus grand. Et même, c'est encore un peu trop petit. Allez hop, voilà. Là, voilà. Ici, c'est parfait. Ça, c'est l'idéal. Alors écoutez, moi, je régène. Voilà. Écoutez, moi je suis prêt. J'ai bien les deux blocs d'obsidien. J'ai les deux blocs d'obsidien. Écoutez. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est parti. Attendez. Hop. Allez, on va lui faire mal, je le sens. Allez. En fait, quand on a les potions, c'est beaucoup mieux, hein, quand même. On a surtout une bonne protection. Allez, on va essayer de claquer ça s'il faut. Il est pas moche en plus, il est bien modélisé, Dante. Allez, viens ici. On lui a déjà fait beaucoup plus de dégâts. Je mettrai sûrement une musique épique en fond. Sûrement la même musique, il est où? Il est derrière moi, ok. Sûrement la même musique que dans la première... le premier combat. Donc, à savoir que Atlas, il y a 3 boss. Et que Atlas, je ne le referai pas. Alors lui crame mais nous non, on a la fire protection, j'ai bien fait de la prendre en fin de compte. Il est là. C'est con de se cramer tout seul hein. On est bien stuff pour une fois, il est où? Attendez, ça, je vois plus, ça me stresse. Il va ça bas mais je le vois pas lui. Dante. On l'a tué? Non. Dante. Dante. Il est tombé? Non, je pense pas quand même. Dante. What? Ouhou. Dante. Il est où? Il y a des pop? Non. Oh non, hey, ça va pas commencer, hein. Dante. Ah non, il y a sa barre, mais il est où? Il est là-haut. Non. Attendez. Il est où? Vous le voyez? Dante? Quoi en fait? On te fait trop mal, c'est ça? T'es un froussard? Dante? Oh non, eh oh! Ça c'est pas juste, hein? Est-ce que je m'enfouis, moi? Oh non, sérieux. Il est pas là. Pas là non plus. Il est peut-être bugué, hein, qu'on le voit pas. Peut-être tenter un décoroco, je sais pas. Est-ce qu'il est pas là, hein?
Dis pas quand même qu'on va devoir se le retaper. Bon bah écoutez, on va devoir le réinvoquer je pense. Hein. Bon attendez, je vais tenter un décoreco. En espérant qu'il ripop. Allez. Dante. Bien, Rod, vous êtes tout mon Minecraft craché. Bon écoutez, on va le réinvoquer. J'ai été chercher ce qu'il me fallait. En espérant que ça fonctionne, je me suis refait les potions aussi. Bon bah écoutez, on espère. Voilà, c'est bon. Il était bugué apparemment. What? Eh non, c'est mes deux potions qui disparaissent. Oh là là, j'en ai marre. Allez, viens, c'est toi. On va essayer de le faire venir un petit peu. Les Avengers qui en plus commencent à me casser les pieds là. Allez hop, 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 hop. Non, c'est les Ghost Warriors, d'accord. Ils invoquent des fantômes. J'ai jamais lu le petit intitulé. Où il est? Il a de nouveau disparu, non, il est là. Allez, on tape. Et là. Allez. Ouais, ouais, bah recule, d'accord, en fait, t'as disparu. Hein, t'étais disparu, d'accord. Dante du jeu Devil May Cry, je pense, hein. J'oublie toujours le nom de ce jeu. J'ai l'impression qu'il rit pas, ok, il y a des fameux bugs dans ce jeu. Allez hop. Voilà. On a encore Strange pendant 30 secondes. Ah. On va claquer ça. On va retrouver un peu le temps de régène. Voilà. Allez, on y croit. On a encore Strange je pense. Ouais, on a Strange. Allez, on le tape. Parce qu'en plus, ça va nous donner une épée. Normalement, si j'ai bien compris, nous donner une épée sur-cheatée. Ouch. On a plus Strange. Je vais prendre la deuxième potion. Tant pis. Il faut le cogner, donc on peut. Où il est. Ah, ils font vachement mal. Je remettrai la musique épique. C'est Ave of the Tiger, je pense. Si je me souviens bien du nom. Il faudra que j'ai une mémoire de poisson rouge. On lui fait mal quand même hein, quand on a une bonne épée. Ah pff. Par contre j'ai du régène quoi. Il met plus fort. Il met trop fort. Il met trop mal. On va essayer de prendre des dégâts pour l'instant. Ah. Il me fait mal, franchement il me fait mal. Mais il est stylé, franchement il est stylé hein. Il est très très beau. Allez viens ici. En fait il nous aurait fallu 4 potions, parce qu'avec 2 potions on leur tire la moitié de vie. Allez dégage. Voilà. Il est où? J'en ai marre de tourner en rond. Il nous reste encore une potion de fire résistance après, mais il nous reste encore. Ouais, il nous reste une. C'est encore la potion précédente. Écoutez, on va tourner un peu comme ça gêne. Ouf. Voilà. Hop. 2 secondes, temps de régène. Voilà. Il est là, il a pas repris la boue, il nous a pas vu. On va régène. Attendez. Un peu d'or dans l'inventaire aussi, j'ai plus beaucoup de bouffe. Voilà. Ah non, il met vachement mal quoi. En plus, je vais pas me rapprocher, sinon il va reprendre l'aggro. Non. Il m'a vu ou pas? Oui, il m'a vu. Ok, baston. Et en fait, lui tout seul, il fait pas trop mal. Et c'est surtout ces fantômes qui font mal aussi. Ils prennent de plusieurs côtés en fait, et donc on sait pas se défendre sur tous les flancs en même temps. Et donc effectivement, il fait déjà un peu plus mal. En fait, au moment où on le touche, je pense que déjà ses obus à lui déjà le trahissent. Je vais marquer, sinon on va encore pousser dans le vide avec le knockback. De la vache, de la viande, s'il vous plaît. On va tuer les vaches, quand je pense qu'il y a beaucoup de vaches autour de nous. Dégage de ghost, voilà. Ouf, on a eu chaud là. Allez hop.
Attendez, ça me régène plus. Allez hop. On y est presque, on y est presque. Et est-ce qu'on le ferait en one shot cette fois-ci? En même temps, vous me direz, la dernière fois, on n'avait pas un très bon stuff. Ah, il est où? Il est derrière, il est derrière. Attendez, on va reculer un peu. Au revoir. En fait, il faut s'occuper des ghosts d'abord. Et pourquoi ceux qui ripop à chaque fois, ils sont énervants là. Hop. Il est en train de perdre la vie tout seul, c'est pas trop mal. Il nous reste 6 minutes de feuille résistance, plus une. Je vérifie que j'ai bien branché mon micro. J'ai bien branché mon micro, c'est seulement maintenant que je vérifie. Ok. Alors attendez, on va régène. Fouah. On est un petit peu galère hein, quand même. Allez, viens ici s'il te plaît. Non mais crie pas s'il te plaît. Discret. Discret. Là il nous a vu. On mange et on leur cogne. Il est où? Là. Allez, c'est reparti. Allez hop. Allez, on l'a quasiment, Il lui reste un tiers de vie. On s'en sort plutôt bien. Faut que je prévoie plus de bouffe peut-être. J'optimiserai les champs pour le prochain épisode, pour le prochain boss. En fait, on gagne le blind de niveau avec ces ghosts. Hein. Ça peut être une bonne ferme. C'est alors tout ce qui est la ferme d'Atlas. Enfin, la ferme, la reine d'Atlas. La structure qu'on avait visitée dans l'épisode précédent. En fait, cette structure-là, il y a plus de spawner à Avenger, donc une ferme en pommeleur en plus. Allez, viens ici, toi. Ah, il fait vachement mal. Attendez, là, je vais crever. Voilà. Ah ouais, il fait vachement mal, en fait, hein, quand même. On va pas aller trop loin pour qu'il dépop. Là, on est assez loin, ça va. Il fait vachement mal, quand même. Hein. Bessie. Bessie, viens. Il y a ma petite vache, viens. Wow, il m'a vu. Ok, il m'a vu, c'est la mort. Allez, celui-là, j'ai plus de vie du tout, il me faut de la bouffe. Allez, viens ici. Hop. Hop. Lui en tout cas, Dante m'a pas vu. C'est Sbire, oui, mais lui, non. Et là, je vais récupérer un peu de bouffe. Allez, aide-moi, voilà. Et alors, lui, on va le dégager tout de suite. Allez, non. Voilà. On a régène. Allez, c'est bon, on peut le cogner. C'est parti. Allez. On y est passé. Derrière, le ghost. Derrière, sûrement, non, devant. Je pense qu'on est bien stuffé quand même. L'idéal ce serait d'avoir une armure en obsidienne, mais j'ai pas le point de faire l'obsidienne complet. Ah, vous me direz, je pourrais peut-être chercher de la lave dans le nether. On fera peut-être ça pour le prochain. Ah! Eh, doucement, 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 je suis pas un petit bol. Ah non, il a pas encore des pop! Non! Sérieux! Là, je commence à en avoir marre, hein. Il est où de nouveau? Il est pas là? Eh, non, eh, sérieux, là, je commence à péter un câble, quoi. Dante? T'es pas là-haut? Ok, je crois l'avoir vu. Non? Possible qu'il s'échappe ainsi en volant? Quand le cogne trop fort? Non, je pense pas. Il serait aussi lâche? Non mais c'est vraiment la journée des bugs ou quoi? On l'a pas poussé dans le vide quand même. Bon bah écoutez, on va devoir leur faire rip-hop de nouveau. Mais là je commence à en avoir marre quoi. Déjà ça me coûte la blinde d'obsidienne. À la fin. Mais deux yeux en fait, il a combien de mode des pop? Il a plus sa barre. Si, ici il y a sa barre. Pourquoi? Si, il y a sa barre, mais c'est tout. Il est pas invisible quand même.
Quoi, il est tout là-haut? Non. J'y crois pas trop. Là, c'est encore Atlas. Il est invisible. Dante. À moins que ce soit la nuit. Attendez. Time set. On va vérifier. C'est pour ça. Où es-tu, Dante? Dante. Youhou. Oh les gens, et là quand je commence à être déçu un petit peu. Hein. Il est où de nouveau? Il est pas monté si haut quand même. Normalement il s'échappe pas par la voie des déserts. C'est pas normal ça. Et je commence à en avoir marre de devoir le cogner non-stop. Hein. Ça va être peut-être en dessous. On va aller voir. On ne sait jamais. Pour nous jouer les creepers. Il est pas ici. Il est pas là. Dante. Ah, il est là. Voilà, on peut cogner. Je commence à en avoir marre qu'il est pop ainsi qui. Il se cachait en fait, d'accord, petit coquin. C'est le creeper. Ah ouais, merci creeper. Allez, dis-moi. Une fois que j'ai mis le creeper. J'ai jamais été aussi content de voir un creeper, je pense. Il est mort. J'aurais peut-être dû en profiter pour aller chercher un peu de bouffe. Ok, c'est son point. C'est son point de vie, il y a moyen de l'avoir. Peut-être qu'il en a une fois ou deux, mais il y a moyen de l'avoir. Si je vois que ça déconne trop comme ça, voilà, je fais ça. On régène. Il est là. Bonjour Dante. Où es-tu? Me dis pas que t'as encore des pop. Où es-tu? Dante, j'en ai marre de te chercher. T'as encore des pop. Où es-tu Dante? Dante, j'en ai marre. Le jour où je vais trouver, ça va faire vachement mal, Dante. Entre temps, je vais tuer 2-3 Bessie. Ok, en fait, il se cache, d'accord. Maintenant, ça va être un jeu de cache-cache. Si j'ai bien compris. Ok. La vidéo, quoi, il y a, on va chercher. Vous voulez la faute à un boss ou on joue à cache-cache? C'est quoi ça? Eh, mais donnez-moi de la bouffe, vous. J'ai pas envie de donner de la bouffe. Donnez-moi de la bouffe. Dites-moi dans les commentaires, c'est normal qu'il se cache ainsi. Si vous connaissez un petit peu le boss. Et c'est normal qu'il se cache ainsi ou c'est moi qui bug ou si c'est. Ou si c'est aléatoire ou. J'aimerais bien que ce soit pas moi qui bug quand même. Hop, il est pas là, Dante. Montre-toi. Tu dois encore être dans les environs en plus. Dante. Yo, Dante. Mais il est là quelque part de nouveau, mais où? Il n'est pas qu'il est tout là-haut. Non, il n'est pas tout là-haut. Ok. Il est où? T'es ici? Dante. Mais dis pas que je dois encore faire une hélice pour te trouver. Oh, il te passe. Où es-tu, petit coquin? Allez, montre-toi, j'en ai marre de te chercher, là. Dante. Allez, mais où il est? Mais il y a même plus sa barre maintenant. Et il est ici quelque part, mais où? Viens ici, toi. Allez, hop, donne ta viande. Et hop. Sinon, on n'a pas de dégâts de chute dans cette dimension. Eh non, il n'y a pas de dégâts de chute. C'est vraiment une dimension calme. Hein. Allez, Dante, montre-toi, j'en ai marre de chercher là. Pff, bah, écoutez, là, franchement, j'en ai marre. Vous n'entendez pas un boss qui se cache ainsi, quoi. On m'avait dit, tu verras, il est hard. On m'a pas dit, tu verras, il va se cacher.
Non mais c'est... on doit jouer à cache-cache avec un boss. C'est nouveau ça. Depuis quand doit-on jouer à cache-cache avec un boss? Et puis où il est caché déjà? Hein? Les nuages? Non? Ça m'aurait pas étonné de toi, petit lâche. Tu veux que je me décarcasse pour toi? Hein? Je trouve l'obsidienne. Je cherche même la lave et tout pour toi. Toi tu me fous un vent. Normal. En fait t'as peur. Et en fait je pars dans le vide. Bon bah écoutez, Ellipse, c'est temps de le retrouver. Bon bah écoutez, bien, je l'ai pas retrouvé. C'est en train de m'énerver, il a dépop complètement, il a plus sa barre. Il a complètement dépop. Donc écoutez, je pense qu'on va me donner son épée. C'est pas possible ça. On le tape, il y aurait 700 points de vie, puis monsieur disparaît. À moins qu'on se refasse dans l'épisode suivant, mais ça fait quand même deux fois qu'il dépop, c'est chiant. J'espère que tous les boss de laser sont pas ainsi. Donc écoutez, on fera Nyx la prochaine fois, vous m'excuserez, mais je dois me giver l'épée. Parce que, soit la dimension est buggée, soit c'est moi qui ai fait un truc comme il ne fallait pas. Mais... en tout cas, je vais vous avouer que là, pour l'instant, je suis un petit peu dégoûté de laser. C'est pas celle-là, c'est celle-ci. Il me semble que c'est Vulcanus, ouais, c'est ça. Il devait nous donner... celle-là. Voilà, il devait nous donner ça quand le tuait. Et Nyx, en fait, doit nous donner normalement celle-ci, Lightstone. Ah non, celle-ci. Attendez. R. Non, une des deux, là. C'est plus laquelle. Thunder, c'est Atlas, je pense. Atlas, vous avez rien looté, soit c'est parce que c'est pas le bon boss ou quoi. Normalement quand on fait ça, on fait une explosion. Donc, écoutez, on va se remettre en game mode 0, on va rentrer à la maison. Et franchement, je vais vous le dire clairement, pour l'instant, j'ai juste même à arrêter laser là quoi. Laser. Et partir dans une autre dimension, parce que je suis désolé, mais les boss qui dépop ainsi, il y a de quoi vous saper le moral. J'avais un stuff de malade, j'étais prêt à l'affronter, et voilà que monsieur n'a pas envie de m'affronter lui. Alors, c'est vrai que ça peut en faire rire certains, ça m'aurait fait rire à un certain moment, mais là, franchement, je suis un peu dégoûté. Ah non, me dis pas qu'il y a le bug de... Pff, pendant un moment, j'ai cru que j'allais rigoler. Ok. Donc écoutez, on va aller ramasser les champs et on va se laisser là, je pense. J'optimiserai les champs souterrains pour la prochaine fois. Franchement, je vous dis, j'hésite même à faire une X, peut-être l'invoquer pour vous montrer. Si elle dépop, bah, tant pis, dis-moi ça. Épisode... ça c'est épisode 4 je pense, épisode 5 je vous le montre, si elle commence à l'époque, épisode 6 voilà, on va dans la prochaine dimension, on va faire l'Ender Dragon, je sais pas, mais on fera autre chose quoi. Parce que là je vais vous avouer que j'ai pas trop envie de... Je pense que je vais refaire la maison aussi une fois, parce que j'ai envie de faire un beau manoir. Pas spécialement un manoir, mais une grande maison. Avec une pièce exprès pour l'armurerie où on mettrait tous nos trophées quand ils sont pas buggés, genre cette épée là. Donc cette épée on va bien la garder précieusement dans le coffre. Et quand on aura une armurerie, on pourra mettre tout ça même. Je pense même qu'on a Balcon Weapons hein. Il me semble. Non? On n'a pas Balcon Weapons? Je ne l'aurais pas remis, attendez, j'ai un doute maintenant. Non, c'est ici dedans, si je l'ai mis. Non, je l'ai pas remis, d'accord. C'est ce qu'il y a à le mettre, c'est quelle dimension ça? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être la dimension de laser, mais. Il y a beaucoup de choses, mais je sais pas comment on les trouve et. On est un peu bloqué parce que les boss disparaissent. Donc on va se remettre en game mode 0. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent, c'est chiant. Parce que... Allez. J'ai envie de faire les boss, j'ai envie de découvrir un petit peu et on ne sait pas. Comme dégoûté quoi. Franchement je suis dégoûté. Est-ce que l'arbre a poussé? Non l'arbre n'a pas poussé en plus. Hop, est-ce qu'on a des os? On a un os, on peut essayer de le faire pousser aussi. Au moins une chose positive dans l'épisode, écoutez, je sais pas ce qu'on va faire. Parce qu'on l'a bien tapé pourtant et puis voilà. D'accord, il veut pas pousser. J'irai voir alors s'il n'y a pas un bloc spécial à poser en dessous.
Écoutez, moi, c'est là, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, même si elle était un peu barbante, je vous l'accorde. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était King Guessman. N'hésitez pas à vous abonner, et salut tout le monde. Bye.